L'équipe de France de football des moins de 17 ans s'est qualifiée mardi pour la finale de la Coupe du Monde en Indonésie, grâce à son succès 2 buts à 1 face au Mali. Dans la chaleur moite de Soakarta, les jeunes joueurs du sélectionneur Jean-Luc Vanucci ont concédé leur premier but du tournoi et étaient menés à la pause sur un but de Ibrahim Diawara, 1 but à 0 à la 45e minute plus 4. Mais sont revenus au score sur une tête de Troyan Ivan Titi, 1 but à 1 à la 56e minute, lequel a dû céder sa place quelques minutes plus tard sur blessure. Le Valenciennois Ismaïl Bounib, unique buteur en quart de finale face à l'Ouzbékistan, 1 but à 0, a une fois de plus été décisif en marquant le but de la qualification sur un subtil coup franc, 2 buts à 1 à la 69e minute. Merci pour votre écoute.